Pour réaliser un bon bulletin d'estimation du risque d'avalanche, il faut d'abord une bonne prévision météo, c'est 50% du travail environ, et les 50% suivants sont une bonne étude du manteau neigeux. Nous arrivons le matin à 5h45 et le premier bulletin de prévision doit être effectué pour 7h30. Ce bulletin est à destination de tout public. Nous avons plusieurs sources pour rédiger ce bulletin. Tout d'abord, nous utilisons nos observations personnelles. Nous allons sur le terrain régulièrement. Nous avons un réseau de stations automatiques installées dans la montagne qui nous permettent d'avoir des informations en continu, de nuit comme de jour. Et une fois par semaine, les stations réalisent une coupe du manteau neigeux pour avoir les différentes couches du manteau neigeux en profondeur. Et nous pouvons faire plusieurs mesures dans cette coupe. Tout d'abord, discerner les différentes strates de neige grâce à notre toucher, notre vue, notre ouïe. Nous utilisons tous les sens pour déterminer les différentes couches et déterminer si au sein du manteau neigeux, on trouve une couche fragile qui puisse représenter un danger pour le déclenchement d'une avalanche.